Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ceux qui sont déjà présents, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si le son et l'image sont OK pour vous, s'il vous plaît? Walaikum salam, Mina. Oui, très bien, merci Hakim. Super, merci Sofiane. Walaikum salam, système D. On entend très bien et on voit super, Naskam. Ça va comme Naskam? Ok, Mina, ok, super. Alors, juste le temps que je prévienne. Que je prévienne, parce que, en fait, j'ai changé j'arrivais pas à diffuser sur le live qui était prévu initialement. Mais d'autres personnes sont sur l'autre live. Donc, faut juste que j'arrive à les faire venir ici. Ou est-ce que quelqu'un peut me donner un lien? Est-ce que vous avez un lien du live là? S'il vous plaît, de manière à ce que je fasse un copier-coller vers l'autre chat. Le son est top, mieux que sur les lives Facebook. Oui, c'est mieux sur YouTube. Avec les lives Facebook, il y a un vrai problème, en fait. Et c'est mon navigateur, en fait. J'ai compris d'où venait le souci. C'est par rapport au navigateur que ça pose problème. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un copier-coller, s'il vous plaît, du live? Je ne suis pas très doué. Ou quoi que. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est bon. Hop, ça devrait être bon. Les gens pourront rejoindre. Donc on va juste attendre qu'ils nous rejoignent, Inch'Allah, et on va commencer. Merci, en tout cas, merci. Je vous en prie, Sonia, avec plaisir. Walaikum salam, Choumi. Choumi de Choumareur ou Choumi de Choumicha? C'est quoi la référence exactement? Parce qu'ils font pas la même, voilà, ils faisaient pas la même chose. Ok, donc là, c'est partagé sur l'autre réseau. Sur l'autre chat, pardon. Je vais juste fermer, si j'y arrive, notre diffusion. Hop, ça devrait normalement être bon. Walaikum salam, Nora. Vous êtes Nour, mashallah. Barakallahu fik, Choumi. Barakallah fait qu'Allah nous élimine tous, Inch'Allah. Mais c'est que j'ai ma fenêtre en fait qui est là, donc vous avez le reflet du. Quoi, vous avez la lumière du soleil, quoi, naturel. Donc c'est le soleil, la lumière. Walaikum salam, Tama. Ok, Sophia. Alors, je ne sais pas si tous ceux qui étaient sur l'autre chat sont là maintenant. Je vais juste vérifier. Walaikum salam, Amiens du Nord. Amiens Nord. Hop. Ok. Je pense que c'est bon. Je pense que les gens ont pu rejoindre. Ok. Mais du coup, mince, il y avait des questions sur l'autre. Il y avait des questions sur l'autre. J'ai fermé la page. Vraiment maladroit. Désolé. Alors, ce que je vous propose, ceux qui étaient sur l'autre live, donc qui n'a pas diffusé, et qui viennent de nous rejoindre, si vous pouvez, toutes les questions, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Mais j'ai fermé malencontreusement la page, désolé. Si vous pouvez reposter les questions que vous m'avez posées dans notre live ici, je me rappelle de quelques-unes, j'essaierai d'y répondre, mais si vous pouvez les reposer ici, je les prendrai une par une, Inch'Allah. Il y avait un jeune frère, je crois, qui parlait de son cas. J'ai pas eu le temps de bien lire. Pareil pour le frère qui parlait de son cas. En plus, j'ai vu qu'il y avait une belle réaction d'un autre frère qui essayait de le soutenir. Parfait. Donc, si vous pouvez
Re-expliquer votre cas, Inch'Allah, ça sera bienvenu, le frère qui parlait de lui. Et pour toutes les questions, n'hésitez pas, que ce soit pour ceux qui avaient posé des questions ou ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, vous pourrez poser, Inch'Allah, toutes les questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre progressivement dans la mesure du possible. Taïb, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam. Alors, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de vous revoir ici. Ça faisait un moment. C'est vrai que j'avais fait une série de lives sur Facebook, sur la chaîne d'Arifton. Mais sur ma chaîne, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu, depuis les animés. Et aujourd'hui, je vais vous parler des addictions. Alors, surtout des addictions comportementales, mais on va parler globalement de toutes les addictions. On va parler un peu du programme que je propose actuellement. Et je sais que ça concerne beaucoup de monde et que beaucoup de monde se pose des questions sur le sujet. Donc voilà, si on peut prendre un peu de temps, Inch'Allah, pour essayer d'y répondre au mieux, ça sera avec grand plaisir. Wa alaykoum salam, Mister AFK. Wa alaykoum salam, j'attendais votre live depuis là tantôt. Depuis là tantôt. Ah, Elias, vous l'attendiez peut-être sur l'autre chat, oui. Donc vous avez bien fait de rejoindre ici, Barakallahou fik. Mais c'était indiqué l'heure. Hein. C'était indiqué. Bon, j'ai un peu de retard, parce que ça ne s'est pas lancé de l'autre côté, mais l'heure était indiquée. Wa alaykoum salam, rahmatullah, Myriam. Wa alaykoum salam, Fatima. J'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi. Ça me fait plaisir de participer enfin à un live, car depuis la réunion, c'est un peu difficile avec le décalage horaire. Barakallahu fik. Wa fiki barakallah, Myriam. Bah, alhamdulillah. Vous voyez, Allah, il fait bien les choses. D'habitude, c'est vrai que je les fais plus tard. Allah a voulu que je le fasse à cette heure-ci, donc si ça vous va, bah, tant mieux, Inch'Allah. Ok. Car je me sens concerné par rapport à votre sujet. Marhaban, Elias. Marhaban, vous pouvez poser les questions que vous voulez, Inch'Allah, c'est bienvenu. Alors, c'est des sujets sensibles, hein, les addictions. Alors, il y a des addictions pas très méchantes, il y a des addictions plus lourdes et plus sensibles et parfois même très tabous. Juste une règle, hein, tous ceux qui seront dans le chat, la règle que je vous demande de respecter, c'est une règle que je m'impose à moi. Qui est qu'on ne juge pas. Tous les commentaires qui pourront venir seront tous bienvenus. Pas de jugement de personne qui parle de lui-même ou d'une souffrance ou de quelque chose qui lui est difficile. Et on, voilà, on essaye de, voilà, si on a la réponse, on répond. Donc, ce que je vais essayer de faire, si on peut, voilà, s'entraider, on s'entraide. Mais pas de jugement, pas de rabaissement, pas de moquerie, pas d'accusation, pas de, voilà. Tout ça n'a pas à sa place ici. Et ceux qui ne respecteront pas ça, alors, alhamdoulilah, ceux qui sont en général, qui suivent, ma chaîne ne sont pas comme ça et ça se passe toujours, toujours, toujours bien. Mais je préviens, s'il y a quelqu'un qui vient, qui débarque, qui ne connaît pas le concept et qui se comporte mal, ben il sera banni. Mais bon, j'ai confiance en vous tous, machallah, vous êtes tous top. Oui, donc ceux qui ont, je repose ma question. Effectivement, Choumi, tous ceux qui avaient posé des questions, s'il vous plaît, sur l'autre lien, reposez-les ici, inchallah. Alors, je repose ma question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler un peu plus le contenu de votre formation? J'aimerais y souscrire, mais j'ai peur qu'elle ne réponde pas à mes attentes. En fait, c'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. Ok. J'essaie de voir où est-ce que vous êtes Choumi pour reprendre la suite, parce que la question que je vous poserai, c'est quelles sont vos attentes? Je vais expliquer, je vais décrire ma formation, mais il faut que... Ah, 2 sur 2, voilà. Merci. Mon addiction concerne la cigarette. Je suis fumeur depuis 10 ans. Cela plus de 4 ans. Ça fait donc plus de 4 ans que j'essaye d'arrêter sans succès. J'ai essayé les gommes à mâcher, mais je n'y arrive pas. Je craque. Je craque une fois sur deux. C'est ça? Non, je craque. Vous avez peut-être voulu marquer à chaque fois, je crois. Et le 1-2, c'est pour montrer la suite des messages. Ok, Choumi. Alors, en ce qui concerne la formation, pas de souci, pas de souci, Choumi. Y a pas de... vous n'avez pas demandé pardon. J'ai compris. Quoi, je crois avoir compris. Plutôt, selon ce que je viens de dire, si ce n'est pas ça, corrigez-moi plutôt. Je craque à chaque fois. Ok, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, en ce qui concerne la formation que je propose, elle s'appelle Briser les chaînes. Donc certains l'ont peut-être déjà vu. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Elle y est peut-être en description. Vous avez, je crois, le lien de la formation en description, mais je vais vous le mettre dans les commentaires rapidement. Et puis après, je vous en dis plus, Inch'Allah. Voilà. Hop. Wa alaykoum salam, Hayat.
Voilà, je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller voir plus tard. Et sinon, vous avez le lien en description. Vous regarderez ça après le live tranquillement. Donc, pour répondre à votre question, Choumi, briser les chaînes, donc la formation que je propose actuellement, commencera, Inch'Allah, les inscriptions, c'était cette semaine. Elles continueront par la suite, mais vous avez une offre de lancement qui se termine ce soir. Et on commencera mercredi prochain. Et sur de mercredi prochain, pendant 4 mois, donc jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre, Inch'Allah, la formation va se dérouler progressivement. Donc chaque semaine, il y aura du nouveau contenu. Donc il y aura des nouvelles vidéos régulièrement, des tests qui seront demandés, des questionnaires auxquels je demanderai aux participants de répondre. Et l'objectif, c'est de se libérer donc de ces addictions, mais comportementales, pas aux produits. La formation, elle est prévue pour les addictions comportementales et non pas les addictions aux produits. Maintenant, malgré tout, ce n'est pas une formation qui est faite pour l'addiction aux produits, puisque les produits, il faut les prendre au cas par cas. Mais malgré tout, dans la formation, elle peut vous aider. D'accord? Elle peut vous aider à arrêter même un produit. Ça va dépendre du produit. Donc la cigarette, ça peut aider. Vous aurez des explications, des compréhensions. Et surtout, le protocole qu'on mettra en place pour se libérer des addictions comportementales pourrait grandement vous aider à atteindre vos objectifs. Après, je ne peux pas vous garantir que ça suffira. Peut-être que ça suffira grâce aux actions que vous mettrez en place. Peut-être que ça ne suffira pas et que vous devrez faire un travail à côté en parallèle, que ce soit une psychothérapie ou d'utiliser d'autres techniques. Mais quoi qu'il en soit, cette formation va vous aider. D'accord? Ça ne sera pas une perte. Vous apprendrez des choses et vous mettrez en place des choses. Parce que dans cette formation, en fait, ce qu'on va voir, même si on s'attarde sur les addictions comportementales, alors très rapidement, avant de dire ce que j'avais envie de dire, dans les addictions, vous avez deux grandes addictions. Addiction aux produits, addiction sans produit. Donc, addiction avec produit, c'est les addictions qui sont liées à un produit où le produit va avoir un effet sur le cerveau. Donc, alcool, cigarettes, cannabis, médicaments, etc. Et les addictions sans produit, c'est des comportements, d'accord? Et donc, dans les addictions sans produits, il y a l'addiction à la pornographie, l'addiction aux jeux vidéo, aux écrans, aux réseaux sociaux. Vous avez les troubles alimentaires, anorexie, boulimie, que je ne traite pas dans la formation, hein, je l'indique, parce que c'est deux troubles particuliers. Mais ça rentre dans les addictions comportementales, les addictions aux jeux d'argent, les addictions d'achat, les compulsions d'achat, au sport, etc. Tout ça, ce sont des addictions comportementales. Et donc, dans la formation, c'est plus sur les addictions comportementales qu'on va travailler. Initialement, elle avait été prévue pour répondre à une demande que je reçois énormément en cabinet, qui est le traitement de l'addiction à la pornographie. Je reçois beaucoup de gens, hommes ou femmes, qui sont addicts à la pornographie, qui en souffrent, et que voilà, on essaye d'accompagner pour s'en libérer. Et étant donné que la demande est grande et que je ne peux pas répondre à tout le monde, j'avais prévu de faire une formation pour se libérer justement de l'addiction à la pornographie, pour répondre au plus grand nombre. Mais ce que j'ai décidé de faire par la suite, c'était de faire une formation un peu plus complète, en intégrant plus d'addictions comportementales pour toucher un peu plus de monde et répondre un peu plus aux besoins. Donc, ceux qui souffrent d'une addiction comportementale pourront trouver dans cette formation des réponses à leurs questions et une aide pour les aider à mettre en œuvre et en place des choses. Donc, on verra plusieurs choses dans cette formation. On essaiera de comprendre déjà qu'est-ce qu'une addiction, quels sont les différents types d'addiction, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, comment ça se passe au niveau des neurones, au niveau du circuit de récompense. Bref, comment une addiction agit et comment nous fonctionnons au niveau de nos cerveaux, au niveau de nos comportements, de nos pensées, de nos désirs, etc. Donc tout ça, on va l'étudier. On va aussi travailler sur les personnes en elles-mêmes, donc de vous donner des outils pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Donc, ça va être un travail sur l'estime, sur la confiance, sur les valeurs, sur l'image que vous avez de vous-même. Il y aura un travail aussi spirituel, parce que j'intègre bien évidemment la spiritualité, vous me connaissez maintenant, et la religion dans l'accompagnement. Pour moi, ça va ensemble. Donc, ce n'est pas que pour les musulmans. Quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui n'est pas musulman est bienvenu. Hein. C'est juste qu'il est prévenu que dans la formation, il y aura des références religieuses aussi. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, il trouvera d'autres choses qui pourront l'intéresser au niveau scientifique et psychologique. Et même peut-être religieux, hein, ça pourrait peut-être aussi l'intéresser. Mais pour les musulmans et les musulmanes ou les croyants, bah, ils seront comblés parce que ça sera justement, il y aura tous les domaines qui seront traités, que ce soit scientifique, psychologique ou religieux. Donc un travail sur soi, un travail aussi sur la gestion du stress, parce que le stress, c'est un élément aussi important. Apprendre à gérer le stress, c'est souvent un facteur qui peut mettre en difficulté certaines personnes. Tout le plan d'attaque, donc tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir justement se libérer d'une addiction. Donc on fera les choses vidéo après vidéo, semaine après semaine. On travaillera aussi sur le comment se faire aider, donc les amis, dans le couple, que ce soit au niveau des enfants, les objectifs qu'on peut avoir.
les différentes questions qu'on peut se poser par rapport à tout ça. Si on n'est pas concerné, ça peut aussi être intéressant, la formation. Quelqu'un qui n'est pas concerné directement, mais qui est avec quelqu'un ou qui vit avec une personne qui souffre d'une addiction, surtout comportementale, pour mieux le comprendre et mieux l'aider, vous aurez aussi des réponses à ces interrogations-là, de mieux comprendre donc les déclencheurs de certains comportements, de certaines addictions. Et donc, on verra ensemble comment combattre tout ça, les différentes missions qu'on peut mettre en place, les différentes actions aussi qu'on peut mettre en place, comment reprendre le contrôle, comment anticiper, éviter et gérer les rechutes. Voilà. En gros, comment se libérer de ces addictions, c'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans la formation Briser les chaînes. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Shomi. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Voilà, reposez une autre question si ce n'est pas totalement clair, Inch'Allah. Alors, suivant. Oui, donc. Ilyes, vous disiez oui, que vous vous sentez concerné par rapport au sujet. Ok. En fait, je disais que je souffre d'une culpabilité par rapport à un fléau qui me revient souvent. Et en fait, c'est quelque chose de délicat. Je n'arrive pas à en parler autour de moi. Ok. Je vais essayer de trouver votre. Si vous avez commenté autre chose, Ilyes, pour voir si vous avez dit quelque chose d'autre. Je me sens sale, j'ai l'impression de ne plus être connecté à mon Seigneur car j'ai trop corrompu mon âme. Je continue de faire mes prières, mais je ressens de la lourdeur et j'arrive pas à invoquer. Ok. Pour être clair, c'est en rapport avec les sites pour adultes. Ok. Malheureusement, j'ai ce problème depuis mon adolescence et maintenant j'ai 28 ans et je me sens désespéré de mon cas. Oui, j'y ai pensé, mais en ce moment, je ne peux pas me permettre car je n'ai pas les moyens. Ok, alors je ne sais pas de quoi vous parlez à la fin, mais je découvrirai par la suite, Ilyes. Ok, ça marche. Alors oui, vous voyez, hein, c'est une réelle souffrance pour ceux qui n'entendent pas cette problématique ou qui ne l'aperçoivent pas, qui ne la vivent pas, ceux qui ne la vivent pas, alhamdoulillah, hein, qui remercient Dieu de ne pas vivre ces souffrances-là, mais ceux qui sont dedans, effectivement, on souffre. Vous savez, le mot qui revient le plus en général quand les personnes souffrent d'une addiction, c'est j'ai besoin de m'en libérer, dans le sens où les personnes ne se sentent pas libres, justement. Il y a la perte de contrôle, hein, qui est quand même un facteur majeur des addictions. Les gens perdent le contrôle et la chose est plus forte qu'eux et prend le dessus sur eux. C'est très, très, très difficile à gérer et ça crée ce genre de situation, et surtout quand on est croyant, où il y a justement quelque chose qui est très dur. D'un côté, il y a la souffrance du comportement, plus les conséquences de ce comportement qui vont diminuer l'estime que vous pouvez avoir de vous-même, par exemple, Ilyes ou d'autres, vis-à-vis des actes que vous avez. Alors, vous dites que vous priez toujours, c'est très bien, c'est excellent, ça, et sur ça, il faut s'accrocher, Inch'Allah. Et ne pas désespérer et ne pas rentrer dans la culpabilité. Une petite parenthèse très rapide par rapport à la culpabilité. C'est mon avis, d'accord? Ça s'arrête à ce que moi je pense. Je peux avoir raison, je peux me tromper, Allahu alam. Mais pour moi, il nous est pas demandé de culpabiliser, même religieusement, d'accord? Ce qu'il nous est demandé, c'est de regretter. Une des conditions du repentir, c'est le regret sincère. Donc, on regrette sincèrement, on demande pardon sincèrement, on ne refait plus la chose, et Allah nous pardonne. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau du repentir, c'est les trois conditions. D'autres savants rajoutent d'autres conditions, comme le fait d'être convaincu que Dieu vous ait pardonné en respectant ces conditions. Vous voyez, c'est une condition assez magnifique, c'est-à-dire la conviction que Dieu vous ait pardonné fait partie pour certains savants des conditions du pardon, de ne pas douter de son pardon. Parce que souvent on se dit, mais Dieu, il ne peut pas me pardonner, ce que j'ai fait est trop grave. Mais en disant ces choses-là, on ne se rend pas compte que c'est grave ce qu'on dit. Pourquoi? C'est comme si on avait une mauvaise opinion de Dieu ou comme si Dieu n'était pas capable d'eux. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Donc il faut toujours garder à l'esprit et garder l'espoir justement de son pardon et garder à l'esprit qu'Allah est capable de toute chose en fait. C'est facile pour lui de pardonner. Et ce que nous faisons n'a pas d'impact sur lui en fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment de prendre conscience de ça. Pour faire le repentir. Et une des autres conditions que certains savants ajoutent, c'est le fait de faire des bonnes actions. Et ils se basent sur le verset où Dieu dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala dit, que les bonnes actions chassent les mauvaises actions. Donc voilà en gros les conditions pour le repentir. Et c'est le regret qui est demandé, pas la culpabilité. Et là, je fais une distinction parce que pour moi, le regret, c'est une demande divine et la culpabilité, c'est un piège satanique. Pourquoi? Quand vous culpabilisez, qu'est-ce qui se passe? Vous restez bloqué dans le passé. D'accord? Vous ne bougez plus. Vous êtes toujours dans le passé en train de ruminer, en train de vous refaire le film de quelque chose que vous ne pouvez plus changer. Mais vous restez bloqué dans le passé alors que tout autour de vous avance. Et donc la culpabilité est un piège qui nous empêche d'avancer.
c'est contre-productif et c'est destructeur. Alors que le regret, il a cette fonction positive de nous aider à aller de l'avant. Je regrette la chose, je me rends compte de ce que j'ai fait, je me rends compte de la grandeur de celui à qui j'ai désobéi ou du besoin que j'ai justement par rapport à me renforcer ou à faire du bien, etc. Et je vais trouver l'énergie dans cette démarche du repentir, l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Vous voyez, donc dans le repentir, il y a une dynamique d'aller de l'avant. Il y a toujours le fait d'aller de l'avant. C'est pour ça que Dieu dit que quand on se repent, sincèrement, il efface le péché, comme si rien ne s'était passé. Ou alors il le transforme en bonne action, ce qui est encore mieux. Donc vous voyez, il y a toujours cette idée d'aller de l'avant, d'avancer. Je fais tout pour éviter le péché et de cette manière, je m'élève auprès de Dieu. Et quand je commets un péché, je me repens le plus vite possible de manière à m'élever aussi et me rapprocher de Dieu. Donc même quand j'ai fait une erreur, je peux l'utiliser pour me rapprocher de lui et devenir meilleur qu'avant d'avoir commis l'erreur, ce qui peut paraître très paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne spirituellement. Donc de ne pas désespérer et de ne pas culpabiliser. Et en ce qui concerne le fait de s'en libérer, inshallah ta'ala, bah vous avez bah le programme, il est fait exactement pour ça, Elias. Hein. Le programme, ça c'est sur 4 mois, donc il y a du boulot et ça s'arrête pas à 4 mois parce qu'après il y aura encore du boulot pour ceux qui feront le travail pour certains d'entre eux. Mais voilà, en général, on a besoin d'être accompagné parce que tout seul c'est très très difficile de s'en sortir. Mais il faut s'accrocher à Dieu, il faut s'accrocher à la religion, inshallah ta'ala. Travailler sur l'estime de vous-même, sur la confiance en vous-même. Et si vous pouvez vous faire accompagner, inshallah, faites-le. Alors, je reprends juste avant Elias, ou après Elias, pardon. Mon addiction concerne la cigarette. Donc ça, j'avais répondu. Wa alaykoum salam Hayat, wa alaykoum salam Moussa, wa alaykoum salam Matita. Wa alaykoum salam, deuxième Elias, il y a deux Elias, mashallah. Ok, Sonia. Quelle solution vous proposez pour s'écarter de la fornication, que ce soit visuelle ou kinesthésique? Car j'ai du mal à arrêter et quand le geste est fait, je m'en veux terriblement devant Dieu. Alors, de quoi vous parlez exactement quand le geste est fait? Quand vous parlez de geste, vous parlez d'un geste, vous parlez de masturbation, vous parlez de visionnage de pornographie ou vous parlez de fornication directement où là on est dans un autre acte. D'accord? C'est 3 choses différentes. Hein. Donc, de quoi vous parlez exactement, Nora? Walaykoum salam, Ibrahim. Je souhaite, alors c'est ce qui c'est Younes, je souhaite savoir que faire pour un frère qui n'arrive pas à se sortir de la pornographie. Il vit seul, il est étudiant, il n'arrive pas à s'en sortir et devient violent. Que faire pour lui? Alors déjà voir s'il a envie de s'en sortir ou pas. Est-ce que c'est une volonté de sa part? Parce qu'il y en a certains qui ont des comportements problématiques, mais pour qui ça pose pas problème. Vous voyez, soit qu'ils se rendent pas compte, soit pour qui ça pose concrètement pas encore problème. Et donc ils ne sont pas dans une démarche de demande d'aide, de demande d'être accompagné ou de sortir de la problématique. Donc ça c'est important déjà. Première chose c'est de voir où est-ce qu'il en est lui et de voir sa volonté. Et puis ce que vous pouvez faire s'il a vraiment envie de s'en sortir, ben c'est de le convaincre, de l'aider à essayer de se faire accompagner par des professionnels si possible. Si ce n'est pas possible, par des personnes qui peuvent aider dans ce domaine-là, essayez vraiment de l'aider à rester le moins seul possible pour occuper son temps et aider-le à charger son emploi du temps et à occuper son temps pour se retrouver le moins isolé possible et à mettre en place des choses en le motivant. Si vous êtes un ami intime de lui, Younes, et qui voilà, qui vous confie ce mal-être, ce que vous pouvez faire avec lui, c'est de mettre en place des objectifs qui va essayer d'atteindre. Et vous êtes là comme un confident, à entendre justement ce qui se passe pour lui, à essayer de le remotiver, le rebooster quand nécessaire. Mais bon, vous ne pouvez pas faire le travail d'un professionnel non plus, d'accord? Ça va être réduire votre travail, mais vous pouvez un peu l'aider. Donc en réduisant, pardon, son temps libre, en l'occupant au maximum, et en travaillant aussi, en l'aidant à gérer son stress. Alors encore une fois, ça, si vous ne savez pas le faire, il faut l'apprendre. Vous voyez, donc c'est d'où le fait d'être accompagné par un professionnel, parce qu'il y a énormément de choses à voir et qui sont assez, assez minutieuses. Mais déjà, ce que je viens de vous dire, si vous arrivez à le mettre en place, surtout pas le juger, faire des invocations pour lui, l'encourager, le motiver, le valoriser quand il fait des bonnes choses, quand il réussit des choses. Et ça sera déjà pas mal si vous faites tout ça, Inch'Allah. Alors, Sonia, Elias, mon frère, si vous avez conscience du problème et déjà un grand pas, il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que vous pouvez vous en sortir là. Peut faire un pas vers vous, essayer de vous inscrire à la formation, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Amine, c'est gentil, Sonia, pour le frère, Mashallah.
Barakallah pour ces explications. Wafika Barakallah Shumi. Ou Wafiki, je ne sais pas si vous êtes un garçon ou une fille. Comme Ilyas, j'ai essayé d'arrêter ces choses-là et d'aller à la chasteté, mais aujourd'hui, c'est pire qu'avant, c'est difficile de s'en sortir seul. Et j'ai peur que le diable soit à mes côtés, assistant pour me pousser à bout. Parfois, je ne sais même pas pourquoi je fais ces choses-là. Vous voyez là ce que vous venez de dire, le pourquoi, des fois, je ne sais même pas pourquoi je fais ces choses-là. Là, on est typiquement dans une addiction. C'est-à-dire que on a. Alors, globalement, je vous explique ça très brièvement. Notre cerveau, il est magnifique, d'accord? Et il est fait d'une manière, il est programmé d'une manière à nous aider à faire face à des difficultés et surtout à survivre. Vous avez des hormones, ce qu'on appelle des hormones du plaisir, comme la dopamine, par exemple, il y en a d'autres, hein. Mais vous avez des hormones, quand elles sont sécrétées, quand elles sont produites, elles provoquent du plaisir, ça nous fait du bien. Mais ce n'est pas pour rien. Vous avez vous avez ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça pour ceux qui sont un peu intéressés. Globalement, comment ça fonctionne? Le cerveau va vous vendre l'idée, va nous vendre l'idée que manger, c'est agréable. D'accord? Par exemple, ou dormir, c'est agréable, ou avoir des relations intimes, dans le cadre du mariage, pour nous, c'est aussi agréable. Pourquoi? Pour se reproduire, pour survivre, pour ne pas mourir, pour se reposer, etc. Maintenant, il va nous vendre l'idée que c'est agréable. Donc, on va avoir envie de le faire. Une fois qu'on va le faire, ça va sécréter donc ces hormones du plaisir qui vont donner ce plaisir-là et ça va être agréable. Et pourquoi ça va être agréable? Pour qu'on puisse le refaire. Parce que c'est important que nous puissions manger et boire régulièrement, se reposer, se reproduire, etc. Donc pour qu'on puisse justement reproduire ces comportements-là, le cerveau a tout ce système qui est mis en place pour créer du plaisir et avoir justement ce système de récompense qui nous redonne envie de refaire. Ce qui va poser problème avec les addictions. Avec certains produits addictifs ou certains comportements qui posent problème, c'est qu'ils vont sécréter, produire, pousser à produire plus d'hormones que les autres et que nécessaire. Donc il y a une surproduction d'hormones, ce qui va créer aussi du plaisir et qui va donc redonner envie de refaire la chose. Pendant une période, vous allez juste avoir envie de faire régulièrement. Donc on a un stimuli, la chose qui vous, l'idée, la pensée qui vous donne envie de la chose. Ça peut être la nourriture, ça peut être le visionnage de quelque chose. Bref, vous avez un stimuli qui va provoquer justement l'envie, d'accord? De ce stimuli, vous allez mettre en place un comportement, vous allez chercher à répondre à ce besoin. Parfois même, le fait de chercher à répondre à ce besoin ou juste avant de l'avoir, parfois, est bien plus satisfaisant que la chose en elle-même, d'accord? Mais je ferme cette parenthèse, c'était juste une petite parenthèse. Puis après avoir mis en place le comportement pour pouvoir avoir le produit ou mettre en place le comportement, vous allez avoir donc la satisfaction, le plaisir qui va être ressenti de votre comportement. Et après, bah, vous avez souvent des regrets d'avoir fait ce que vous avez fait, mais vous avez pris du plaisir. Donc même si vous avez des regrets, même si c'est nuisible, même si c'est quelque chose qui vous détruit progressivement, même si vous voulez arrêter mais que vous n'arrivez pas à arrêter, vous allez continuer à le faire. Là, on est typiquement dans une addiction et on peut arriver jusqu'à un stade, il y a plusieurs stades, mais jusqu'à un stade où, vous voyez, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est un frère ou une sœur, je ne sais même plus pourquoi je le fais, ou certaines personnes n'ont même pas envie, en fait, voyez, mais le comportement va être tellement automatisé qu'elles se doivent de le refaire parce que sinon, elles ne sont pas bien, d'accord? Et elles ont besoin de le refaire pour ne pas se sentir pas bien pendant une petite période. Et là, vous voyez que ça devient très compliqué et très difficile à gérer. Alors, je vais juste reprendre la question parce que du coup, j'ai oublié. Ok, ça, j'avais lu. Ça, j'avais lu. Ah, bah, j'ai perdu du coup la question, je la trouve plus. Désolé, je vois plus la question, elle a disparu. Ok, bon, j'essaie de reprendre le dernier dont je me souviens. J'ai dans mon entourage, alors Barakallah Fik pour ces explications, j'ai dans mon entourage très proche des personnes qui consomment quotidiennement du cannabis et pour elles, ce n'est pas une addiction. Je souhaiterais les aider, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, oui, si quelqu'un n'est même pas conscient que c'est une addiction, ou pour eux, ce n'est pas une addiction, ce n'est même pas un problème. Alors, ce n'est peut-être pas une addiction dans le sens où ils ont l'impression de gérer et qu'ils peuvent consommer quand ils veulent. Et ils arrêtent quand ils veulent et ils n'ont pas d'effet quand ils ne consomment pas.
Bah, demandez-leur de faire cette expérience, Myriam. Demandez-leur bah, de faire l'expérience de ne pas consommer pendant quelques jours et de voir comment ils se sentent. Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression de contrôler les choses ou est-ce qu'ils sentent le besoin de le faire malgré tout et là, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte. Et après, de leur montrer bah, les conséquences, hein, les conséquences du cannabis et les dégâts malheureux qui peuvent survenir à cause du cannabis, c'est une catastrophe. Hein. Surtout quand on commence tôt et très jeune. Oui, j'y ai pensé, mais en ce moment, je ne peux pas me permettre car je n'ai pas les moyens. Ok, Elias. Alors, Elias, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quoi, j'ai une bonne nouvelle. Elle est pas, je ne sais pas si elle sera bonne du coup totalement, mais Inch'Allah, c'est une piste de bonne nouvelle. Vous avez quelques. Alors, dans quelques jours, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas quand, il y a quelques personnes qui ont décidé. De payer en plus, quoi de payer en plus? Ils ont payé le prix fort de la formation sans bénéficier de l'offre de lancement et n'ont pas voulu être remboursés de la différence. Ils ont voulu offrir par rapport à ce qu'ils avaient payé en plus, offrir à quelqu'un la formation, ce que j'ai trouvé très noble et très louable. Et comme ça m'avait touché, j'ai accepté la proposition et j'ai décidé de l'augmenter. J'ai décidé d'augmenter, donc demain ou après-demain, vous aurez l'information pour tous ceux qui n'ont vraiment pas les moyens. Donc, il y aura des conditions à remplir. Donc, ceux qui ont les moyens et qui n'attendaient pas demain, parce que vous perdrez l'offre de lancement du coup, mais ceux qui n'ont pas les moyens, vraiment pas les moyens, qui sont dans des situations précaires et qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner ou de financer la formation, même avec le prix de lancement, demain ou après-demain, il y aura une. Je communiquerai dessus, soit sur ma newsletter ou soit sur. Alors, je ne sais pas où. Donc, allez sur ma newsletter pour ceux qui sont déjà inscrits, ben, vous recevrez l'information. Ou sinon, peut-être sur une des pages d'une personne sur les réseaux, vous aurez l'information. Il y aura quelques conditions à remplir. Et il y aura un tirage au sort qui se fera. Donc, tous ceux qui sont dans des situations précaires et qui n'ont pas les moyens de financer la formation et qui en ont vraiment besoin, vous pourrez vous inscrire à un concours et il y aura un tirage au sort d'une quantité de personnes à qui la formation sera offerte, Inch'Allah. Donc, elle sera peut-être pas offerte à tout le monde, et j'en suis désolé, mais il y aura quand même une quantité de personnes. Vous avez une chance de gagner la formation sans contrepartie. Il n'y a rien qui vous est demandé en retour, d'accord? On vous demandera rien en retour, ni aimer une page ou partager, je sais pas quoi, ou non. Il y aura un concours, il y aura des conditions à remplir. Vous candidaterez, il y aura un tirage au sort qui se fera, et ceux qui seront tirés au sort gagneront la formation, Inch'Allah. Mais encore une fois, ce sera donc pour une catégorie de personnes qui sont dans la situation précaire et dans le besoin de l'accompagnement. Donc, Elias, par rapport à ce que vous m'avez dit, et si vous n'avez pas les moyens, Inch'Allah, quand on lancera le concours, bah, vous pourrez postuler, Inch'Allah, en espérant que vous gagnez l'accès. Wa alaykoum salam, Moussa. Pour que le cannabis, la première chose, c'est la prise de conscience. S'ils sont dans le déni, rien ne changera. Une fois convaincus, il y aura là un gros travail à faire dans l'entourage. Effectivement, Sofiane. Quelle est la différence entre culpabilité et regret? J'en ai parlé tout à l'heure, Chomi, la différence. Vous n'étiez pas là? Est-ce que vous voulez que je vous réexplique? Ou est-ce que vous avez, ou est-ce que c'est moi qui suis en retard sur votre question et du coup vous avez entendu l'explication entre la différence entre le regret et la culpabilité? Ou globalement, je vais répondre, hein, ça va être plus rapide. Le regret, c'est de prendre conscience, soit du danger, de la gravité, du mal qu'on a pu, de l'action qu'on a pu faire. Et de mettre en place des choses pour corriger, compenser et améliorer. D'accord? La culpabilité, c'est un regret excessif. D'accord? C'est plus équilibré. Ça ne me permet plus d'aller de l'avant. Ça me paralyse et ça me bloque dans le passé alors que tout autour de moi avance. Donc voilà globalement très rapidement la différence. Est-ce une personne dite addict et considérée comme addict si elle n'a pas de plaisir en consommant la chose? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois comprendre, mais je suis pas certain, Ibrahim. Alors, il y a forcément une notion de plaisir à un moment donné. Maintenant, il est possible qu'une personne addict qui avait du plaisir dans le comportement ou dans la consommation du produit avant ne l'ait plus.
mais qu'elle continue l'action. D'accord? Ça, c'est possible. Mais à la base, il y a du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, on ne recommence pas l'action. Parce que vous voyez, le circuit de la récompense dont je vous ai parlé, où on reproduit des comportements qui nous donnent du plaisir, il est aussi fait pour éviter les choses qui ne nous donnent pas de plaisir. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que vous avez goûtées une fois dans votre vie, vous n'avez plus mangé de cet aliment parce que votre circuit de la récompense a détecté que le truc, il n'était pas agréable. Donc, tout de suite, hop, on n'en veut plus. Et dès qu'il y a un truc qui ressemble à ça, on n'en veut pas. Donc, il y a forcément une notion de plaisir au départ et pendant un moment. Après, il y a ce qu'on appelle la tolérance ou l'accoutumance en addiction. La tolérance ou l'accoutumance, c'est le fait de devoir consommer plus pour le même résultat. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est addict à l'alcool, il va consommer 3 verres, ça va le mettre dans un état qui lui est agréable. Très bien. Arrivé à un moment d'addiction, au bout de certains mois, au bout d'un certain nombre d'années peut-être, 3 verres, ça ne le mettra plus dans cet état de satisfaction et de plaisir. Il aura besoin d'en boire 5 pour ressentir le même plaisir qu'il avait avant pour 3. Et puis arrivera un moment où il aura besoin d'en boire 10 pour ressentir le même plaisir qu'il avait pour 5 ou pour 3. Voyez, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et donc on augmente la consommation pour avoir la même satisfaction. Ça, c'est un des effets de l'addiction. Et vous pouvez avoir parfois, pour certaines personnes, pas de plaisir. Elles peuvent souffrir dans le comportement. Elles peuvent avoir un comportement, par exemple dans l'addiction à la pornographie, vous avez des gens qui vont regarder du porno et éventuellement se masturber. Et en souffrir, elles ne prennent aucun plaisir à un moment donné. Elles sont dans la souffrance, elles peuvent même pleurer, mais elles se sentent obligées de devoir recommencer ce type de comportement. Et en ce qui concerne donc cette tolérance ou cette accoutumance, pourquoi justement ça fonctionne comme ça? À la base, c'est un système de défense du cerveau, d'accord? C'est parce que le cerveau détecte que la chose est nocive et qu'elle est mauvaise, qu'il ne donne plus le même plaisir en fait. Sauf que nous, on a un comportement derrière qui est autre et qui va faire en sorte qu'on va augmenter plus la quantité. La culpabilité est le fait de se sentir coupable, mais de toujours faire les mêmes choses, alors que le regret, c'est de ne plus faire et de passer à autre chose. Un peu ça, un peu Fatima. Pas totalement, mais un peu, oui. En fait, c'est le fait que je sens que je ne suis pas sincère par rapport à mon repentir, car je ne suis pas déterminé. Après, ça, c'est à vous de. Alors, faire attention, est-ce que vous n'êtes pas déterminé ou est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas déterminé? Parce que si c'est une suggestion diabolique, si vous avez du WSOS qui vous fait croire que vous n'êtes pas déterminé, vous aurez l'impression que vous ne l'êtes pas, alors que vous l'êtes. Le fait juste d'en parler là, déjà, montre une détermination pour moi. C'est très courageux déjà d'en parler là, ça montre une volonté, ça montre une force, ça montre une envie d'être aidé ou d'avoir justement un soutien. Et ça, déjà, ça montre une détermination en soi. D'accord? Donc, pour moi, du peu que j'ai vu, vous êtes déterminé, Elias. Et dans le repentir, il faut avoir cette conviction et cette volonté de se faire pardonner. Maintenant, on peut se repentir sincèrement et recommencer l'action. Ça peut arriver, on est des êtres humains et on peut le faire pour plein de péchés, malheureusement. Et en ce qui concerne ce type de comportement, les savants ont expliqué, alors, ont divergé sur ce qu'il fallait faire. Vous avez une catégorie, sur ce qu'il faut faire, en fait, c'est la même chose, mais vous allez comprendre. Vous avez une catégorie de savants qui ont dit que quand on se repent sincèrement, Allah nous pardonne. Mais si on recommence l'action, le premier repentir est annulé. Ça, c'est un avis. D'accord? Le premier repentir est annulé. Pourquoi? Parce que dans les conditions du repentir, il y a le fait de ne plus recommencer l'action. Et donc, vu qu'on n'a pas respecté ça, eh ben, ça annule. C'est un avis. Vous avez un autre avis qui dit que non. Le premier repentir qui a été fait sincèrement, il a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il est réglé. Et si vous recommencez, il faut juste recommencer à repentir pour ce que vous venez de recommencer, pas sur ce qui s'est passé avant, parce que sur ce qui s'est passé avant, c'est effacé. Il n'y a plus besoin de revenir dessus. D'accord? Donc c'est toujours de persister, et c'est ça le combat. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des fois d'être accompagné, parce que c'est dur, mais c'est un combat de toute une vie. Que ce soit l'addiction ou autre, hein, d'ailleurs, hein, dans tous nos comportements, notre objectif, c'est de nous élever, de nous épanouir, mais surtout d'obéir à Dieu et de nous soumettre à lui en tant que croyants. Et il y a de l'adversité, il y a des difficultés, il y a des choses qui nous bloquent, il y a des tentations, il y a des choses qu'on fait dont on n'est pas très fier, il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses qu'on arrive à arrêter, d'autres choses dont on se sent complètement faible ou vulnérable, etc. Et ça demande du travail, il faut juste bosser et se battre, Inch'Allah, et pas baisser les bras, et être toujours dans l'action et la volonté d'essayer de, Inch'Allah. C'est fou, je comprends maintenant la différence entre culpabiliser et regretter. Ok, Ibrahim, marhaban, c'est bienvenu. Salam, alaykoum salam, Amel. Alors, je fume la cigarette, je culpabilise et je n'arrive pas à arrêter, je suis pourtant voilé, je m'éloigne des péchés, donc je dois regretter et pas culpabiliser, ma famille est très pieuse. Voilà, qu'Allah vous préserve et préserve votre famille, Inch'Allah, Amel. Effectivement, vous devez être dans le regret et pas la culpabilité. Le regret, ça va vous aider à aller de l'avant, surtout au niveau spirituel.
Alors que la culpabilité, ça va vous faire culpabiliser et vous allez juste moins vous sentir bien, avoir toujours une mauvaise estime de vous-même, vous dévaloriser et donc reproduire le comportement problématique. Après, avec la cigarette, c'est un produit. Donc la cigarette, il y a de la nicotine dedans. La nicotine va agir justement sur le cerveau et va créer cette envie de reconsommer. En plus de ça, il y a une association qui est faite par rapport au contexte dans lequel vous pouvez fumer habituellement. Donc, que ce soit des lieux, des objets, des personnes. C'est pour ça, par exemple, que ceux qui fument, on se sent obligé de fumer quand ils boivent un café ou quand ils sont en pause, alors que peut-être qu'ils n'en ont pas envie à la base. Mais ils se sentent obligés parce que ça a été associé par rapport à l'envie et par rapport justement au désir de fumer. Mais, Inch'Allah ou Ta'ala, vous pouvez vous n'arrivez pour le moment pas à arrêter. Ce que je vous conseillerais, par exemple, pour vous, Amel, c'est de ne pas chercher à arrêter. Cherchez d'abord à diminuer progressivement pour, Inch'Allah, arrêter in fine et essayer de vous faire aider. Ça pourrait vous aider. Alors que ce soit pour vous ou pour la première personne avec qui j'avais répondu sur la cigarette en début de live, vous avez l'hypnose thérapeutique qui peut aider certaines personnes. On a des bons résultats dans l'hypnose. Pour les personnes qui veulent arrêter de fumer, il y en a pour qui ça aide, ça les aide énormément. Sinon, essayez de vous faire aider par les gens qui sont spécialisés sur justement l'arrêt du tabac, Inch'Allah. Quel conseil pourriez-vous donner pour les fumeurs de cigarettes? Ben, je viens de répondre, Choumi. Comme Ilyes. J'ai essayé d'arrêter ces choses-là et d'aller à la chasteté, mais aujourd'hui c'est pire qu'avant, c'est difficile de s'en sortir seul. Et j'ai peur que le diable soit à mes côtés, hein, et ce soit pour me pousser à bout. Parfois, je ne sais même pas pourquoi je fais. Ah, j'avais. Voilà, bah, c'est cette question que j'avais cherchée tout à l'heure. Voilà, bah, j'ai répondu, Moussa, je pense. Et effectivement, c'est très compliqué de gérer ça seul, surtout quand il y a des rechutes, en fait. Quand vous dites que c'était pire qu'avant, c'est en général quand on a essayé d'arrêter, qu'il y a des rechutes et que c'est. En fait, parce qu'on ne comprend pas forcément tout seul les déclencheurs, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous pousse à, les dangers, etc. Ce qui fait qu'on retourne dans des pièges. Et la volonté d'arrêter, le fait d'avoir réussi quelque temps et puis de rechuter, c'est très violent aussi psychologiquement. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, ce qui est une fausse croyance, hein, mais on y croit. Et derrière, ça alimente des suggestions dévalorisantes. Alors, cher Ali. Cher, pas pas cher, cher Ali, le processus pour sortir d'une obsession, est-ce le même pour sortir d'une addiction comportementale? Barakallah wa fik. Alors, c'est pas vraiment la même chose, d'accord? C'est pas vraiment la même chose, non. Une obsession, c'est un peu différent. Parce que dans les obsessions, il y a beaucoup d'anxiété. Dans les obsessions en général, dans les troubles anxieux. Alors, on peut retrouver des choses similaires, évidemment, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ça demande un autre accompagnement et un autre travail pour les obsessions. Alors, j'ai perdu. Papa, j'ai perdu le. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Surtout que j'ai du mal à me repentir jusqu'à après cet acte et je m'endors sans aller me purifier et faire 2 unités de prière. Je reporte au lendemain car cela m'arrive souvent pendant la nuit. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses à travailler. Les petits moments où ça se passe, les conséquences, etc. Ça, c'est des choses qu'on travaille dans l'accompagnement justement pour trouver des solutions adéquates. Barakallah Oufik pour ces explications. Oufik, Barakallah Younes. Wa alaikum salam, Soumaya. Bintou Ahmed. Wa alaikum salam, Salwa. Al-A'dam. Salam, je fume que la cigarette et je me sens prisonnière de celle-ci. Je voulais arrêter, mais je n'y arrive pas. Quel conseil je suis? Voilà. Ah, bah, je vous ai répondu à Mel juste avant. Et qu'Allah vous préserve de ça, Inch'Allah, et qu'il vous aide. Inch'Allah, vous allez y arriver. Comment lutter contre son cerveau quand il sécrète ses hormones qui vont finalement contre nous-mêmes? Bah, justement, Moussa, c'est de mettre en place d'autres comportements. Il y a une prise de conscience et puis il y a des protocoles à mettre en place, des nouvelles habitudes à mettre en place. Il y a tout un travail, hein. C'est du boulot. Faut pas croire que c'est magique, hein. C'est du boulot. On se bat, on travaille, on met en place des choses et en fait, on va mettre en place des nouveaux comportements ou des anciens comportements qu'on n'utilisait pas suffisamment. On va essayer de trouver des ressources aussi là où on peut les trouver pour justement modifier tout ça, contrecarrer tout ça et amener à des nouvelles habitudes, Inch'Allah. C'était la question de Moussa. Ok, d'accord. Salam alaikum mon frère Ali, wa alaikum salam monsieur Askared. Durant la formation, aurons-nous des
interactions avec vous ou cela se fera-t-il uniquement avec des vidéos? Barakallahu fik. Alors, ça se passera seulement par des vidéos, Askared, monsieur Askared, pardon. Alors, il n'y aura pas que des vidéos, mais vous en recevrez des vidéos pour chaque module, etc., régulièrement sur chaque sujet. Et vous aurez souvent des questionnaires auxquels je vous demanderai de répondre. Alors, parfois, ça sera des tests pour vous aider à vous situer. Parfois, ça sera des exercices pour vous aider à mettre en place certaines choses. Et parfois, ça sera des questionnaires que je vous demanderai de répondre pour voir où est-ce que vous en êtes, etc., et pour mieux ajuster. Mais il n'y aura pas d'interaction directe avec moi. Je ne pourrai pas accompagner autant de personnes. L'objectif de la formation, c'est d'accompagner le maximum de personnes le mieux possible. Parce que si je fais du cas par cas, ben, je fais du cas par cas et là, c'est plus possible d'accompagner le reste. C'est ce que je faisais, ce que je fais pendant, ce que j'ai fait pendant des années. Wafika Barakallah. Il y aura aussi un groupe de soutien, monsieur Askared. Il y aura un groupe de soutien sur Discord. L'objectif du groupe de soutien sur Discord, c'est justement, bah, comme son nom l'indique, que vous vous soutenez aussi mutuellement. Donc, ça sera pas mixte. Donc, il y aura un côté homme, un côté femme dans le groupe. Et quand quelqu'un se sent pas bien ou quand quelqu'un a besoin, etc., bah, il peut trouver auprès justement d'un autre frère ou les sœurs d'une autre sœur un soutien, une aide, parfois juste pour se parler, parfois juste pour s'écrire, se soutenir, s'entraider. Et ça a aussi une fonction importante. Faut pas sous-estimer ça. Ça aura une fonction importante pour ne pas rester seul et être soutenu et se soutenir, Inch'Allah, mutuellement. Comment s'inscrire à la formation? J'ai mis le lien quelque part dans le chat, sinon vous avez le lien en description. Alors attendez, je crois que je peux le remettre, il est toujours enregistré. Voilà, je vous l'ai remis. Salam alaykoum, mon frère, je suis addict à la pornographie depuis tout jeune, j'ai réussi à moins qu'avant. Mais ça me gâche mentalement, mon frère. Quel conseil? J'ai répondu, Foued, à cette question pour Iliès. Donc, vous avez les mêmes réponses, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et vous facilite, Inch'Allah. Merci à vous. Je vous en prie, Iliès. Non, c'est bon, vous êtes en retard simplement. Ok, ça marche, Chami. Barakallahu fik. Moi aussi, j'ai pas. Inch'Allah. Ok, le problème que j'ai, c'est que je culpabilise sur des choses que j'ai regardé, qui me hante car j'ai regardé des choses de plus en plus graves et ça me pourrit l'esprit, je me sens tellement horrible. Ok, bah, vous voyez, ça c'est un des autres effets de l'addiction à la pornographie, c'est qu'on monte crescendo. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas addict à la pornographie, déjà il va dire, ah, la pornographie c'est sale, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de regarder. Puis quelqu'un qui commence à regarder, il va dire, oh, il y a plein de trucs violents, plein de trucs bizarres, j'ai pas envie de regarder, moi je regarde que des trucs qui me paraissent soft, voilà, pas trop violents. Mais plus la personne va être addicte, plus elle va commencer à. Vous voyez, la tolérance dont je vous parlais tout à l'heure pour le verre d'alcool, ça va être la même chose au niveau de l'addiction à la pornographie, mais sur le contenu pornographique et sur tout ce qui est trash et violent. C'est-à-dire qu'on va commencer à ne plus pouvoir se suffire d'un contenu soft, on va vouloir un contenu un peu plus hard, un peu plus violent, et ça va monter crescendo jusqu'à des catégories qui sont très compliquées. Mais c'est toujours possible d'en sortir, Inch'Allah. Je suis comme anesthésié. Voilà, Ali, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, Ahmed. Salam alaikum. Alaikum salam, Walid. Mon frère, quel comportement adopter face à une personne qui refuse de se remettre en question, une personne qui a toujours besoin d'un bouc émissaire pour légitimer son comportement? Une personne qui refuse de se remettre en question, c'est toujours compliqué. Ce qu'il faut essayer de mettre en place, c'est déjà d'éviter d'alimenter son comportement. En gros, c'est de vous dire qu'est-ce que vous faites, Walid, qui fait que la personne, justement, fait ce qu'elle fait. Donc, si elle trouve toujours un bouc émissaire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui accepte d'être le bouc émissaire. Donc, avec elle, il faut refuser d'être le bouc émissaire, surtout quand vous n'êtes pas responsable. Si vous êtes responsable, vous assumez, vous, vos responsabilités et donc vous montrez l'exemple. Mais quand vous n'êtes pas responsable, vous refusez d'être le bouc émissaire et vous laissez la personne assumer ses responsabilités. Et ça peut aider parfois certains à se rendre compte ou non. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Inscrivez-vous à la newsletter pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de souscrire à la formation. Un tirage au sort est prévu. Inch'Allah. Merci Younes. Vous n'êtes même pas obligé de vous inscrire à la newsletter en vérité, Choubi. Hein. Je pense qu'il y aura une communication qui sera faite sur les. Oui, comme je vous dis, il n'y a pas de contrepartie. Inscrivez-vous si vous avez envie de vous inscrire, mais. Je veux pas qu'il y ait de contrepartie quelconque, ni de like, ni de partage, ni de je sais pas quoi, de trucs bizarres. L'objectif, c'est que ça puisse aider une catégorie de personnes qui en ont besoin et qui ne peuvent pas. Et donc, c'est juste par le souci de communication. Mais
Peut-être que sur certaines pages, on en parlera, Inch'Allah, et que d'autres partageront, et vous verrez, Inch'Allah, le lien. Merci, Younes. Que pensez-vous du fait de se marier pour lutter contre les péchés sexuels? Est-ce une bonne raison? Oui et non. Qu'on se mette bien d'accord. Ça va dépendre de quel péché sexuel vous parlez. Ça va dépendre de à quel niveau la personne est par rapport à ce péché sexuel. Si c'est, il y a vraiment une addiction, une pathologie, etc., il faut le dire au partenaire avec qui la personne va se marier. Ce n'est pas quelque chose que vous devez cacher, ça. D'accord? Parce que si vous le cachez, que la personne va s'en rendre compte après et que c'est une catastrophe, etc., c'est compliqué. Donc si c'est quelque chose de grave et pathologique et de très régulier, il faut que l'autre personne soit au courant. C'est pour ça que ça peut aider. Quand c'est pas trop important et que l'autre accompagne convenablement, ça peut ne pas suffire pour certains, malheureusement. Et c'est pour ça que le mariage n'est pas la seule solution. Ça va aider, ça peut aider beaucoup de monde, ça peut suffire à certains, pas à d'autres. Et ceux à qui ça ne suffira pas, ben, ils ont besoin d'un accompagnement, de se faire suivre. Alors, se faire suivre, ça ne veut pas dire qu'ils sont fous ou malades. Se faire suivre, c'est se faire aider, c'est être accompagné par un professionnel qui vous aide à vous libérer de ça, Inch'Allah. En fait, je ne tombe pas par hasard sur ça. Le problème, c'est que je vais volontairement sur ces horribles choses, car le soir, je ne trouve pas le sommeil et j'ai des idées à aller consulter des mauvaises choses. Oui, mais vous voyez que est un déclencheur. Le pire, c'est que je ne ressens plus de crainte qu'Allah me voie et je persiste dans ce mal. Oui, mais ça fait partie du processus de l'addiction, Elias. Et c'est parce que vous ne trouvez pas le sommeil, parce que vous avez l'impression que vous devez regarder ça pour pouvoir trouver le sommeil derrière. Ça permet de réguler justement une émotion, etc. Et là, l'alternative, c'est d'essayer de trouver autre chose pour pouvoir trouver le sommeil, justement. Ça peut être de laisser vos écrans en dehors de votre chambre, ça peut être de bien vous fatiguer la journée pour être assez fatigué pour vous endormir plus vite et plus facilement, ou trouver des techniques de sommeil qui vous permettent de vous reposer et de vous endormir plus facilement, Inch'Allah. Vous voyez, ça, c'est des petites idées qu'il faut mettre en place. Salam alaikum, je ne sais pas si ça fait partie des... Alaikum salam, Aline. Je ne sais pas si ça fait partie des addictions, mais je n'arrive pas à m'arrêter de manger, pas de sentiment de satiété, et j'ai besoin d'acheter des choses pas cher, comme une sorte d'achat compulsif. Oui, ça fait partie des troubles du comportement. Quoi, ça fait partie des addictions comportementales, Aline. Hop, 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 j'ai reperdu le. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Avez-vous un contact pour l'hypnose thérapeutique? Non, Choumi, je n'ai pas de contact à vous donner, malheureusement. Il faudra faire une petite recherche internet, trouver un psy ou une psy pas trop loin de chez vous, et faire l'expérience, tester. Si ça match, ça se fonctionne bien avec la personne, tant mieux. S'il y a un truc qui ne va pas, vous changez de thérapeute. Est-ce que votre formation peut aider une personne tendance hyperphagie? Non, c'est pas fait pour Oum Soumaya. C'est pas fait pour l'hyperphagie. Quoi, ça peut aider. Il y a des choses qu'on va travailler dans la formation qui vont aider n'importe qui, en fait. Vous voyez, même quelqu'un qui n'est pas addict, c'est des choses dans la formation qui l'aideront et qui vont lui être utiles. Mais ce n'est pas fait pour l'hyperphagie. Allez, comme salam, Nasser. Les addictions peuvent être liées à des troubles du comportement. Oui, Saïtama. Qu'Allah nous guérisse tous de ces addictions. Nous ne sommes pas seuls au monde. Amin, Amin, Ahmed, Ibrahim, barakallahou fik. Salam alaikum, walaikum salam Mohamed. Je suis célibataire, j'imagine que vous vouliez dire. Mon problème est que je n'arrive pas à baisser mon regard. Je décide toujours d'arrêter, mais je reviens encore. Quel conseil me donnez-vous, barakallahu fik? Alors, par rapport à ça, alors, bon, le conseil religieux, c'est le jeûne. On connaît tous, quoi. Tout le monde connaît le hadith. Le prophète Assad conseille de jeûner pour les célibataires. Et ça fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne. Si vous pouvez jeûner de temps en temps, ça vous aidera grandement, Inch'Allah. Ce que vous pouvez faire d'autre, alors, déjà, vous êtes dans l'intention de, vous avez envie de. C'est très bien. Donc, il faut voir qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours célibataire et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous marier. Ça, c'est le deuxième point. Et ce n'est pas des moindres, hein, c'est un point important. Et le troisième, c'est de prendre conscience qu'on vit dans une société qui est hyper sexualisée. C'est très compliqué, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, même quand vous baissez la tête, vous voyez des trucs bizarres. Donc, c'est d'essayer de faire au mieux, selon vos capacités, selon le lieu où vous êtes, d'éviter les endroits où il y a trop de monde, ou d'éviter de regarder des contenus où il y a trop de choses problématiques pour vous. Les addictions peuvent être liées à un manque dans dans nos vies. Alors, les addictions peuvent être liées à un manque dans nos vies.
Oui, Hayat, parce qu'en fait, certaines addictions viennent combler quelque chose ou viennent réguler quelque chose. Elles ont des fonctions, les addictions. Elles sont nocives, elles sont mauvaises et dangereuses, mais elles ont quand même des fonctions. Alors, pour un mari qui est dans l'alcool, qui est très renfermé socialement et qui refuse d'aller voir quelqu'un, comment le convaincre et vers qui aller, thérapeute, addictologue, psychologue? Alors, s'il refuse, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'aller quelque part où il n'a pas envie d'aller. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire intervenir des personnes qui réussiront à le convaincre. Si vous, il n'entend pas de vous, c'est de faire intervenir des personnes qui les respectent, qui l'estiment ou qui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous respectent pas, qu'ils ne vous estiment pas, hein, qu'on se comprenne. Hein. C'est juste qu'il y a des fois des personnes, quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, on accepte mieux et on se fait à l'idée de plus faire la chose qui est proposée. Donc, de trouver une personne que votre mari respecte et qui l'estime pour le conseiller, voilà, qui va savoir comment le prendre et comment lui donner envie ou comment lui faire prendre conscience du besoin de se faire aider. Après, sur qui aller vers un addictologue, un psychiatre addictologue de préférence. Après, vous pouvez toujours voir un thérapeute, un psychologue, surtout s'il est spécialisé en addictologie ou qu'il s'y connaît en addictologie, ça va aussi l'aider, d'accord? Mais un addictologue spécialisé justement dans l'addiction à l'alcool va être encore mieux pour lui, pour l'accompagnement. Cher Ali, y a-t-il des bonnes addictions? Par exemple, une addiction au sport? Non, non, Amir. Pas pour moi, en fait. En fait, il faut bien comprendre l'addiction. Dans l'addiction, il y a de la souffrance. Dans l'addiction, il y a de la perte de contrôle. Dans l'addiction, il y a de la tolérance dont on a parlé. Dans l'addiction, il y a une volonté d'arrêter, de ne pas y arriver. C'est ça une addiction. D'accord? C'est pas une habitude. Avoir une habitude et faire souvent la même chose, c'est pas une addiction forcément. Donc, si vous avez l'habitude de faire du sport, et que ça vous fait du bien, et que c'est mesuré, équilibré, c'est excellent. On est d'accord. Si vous êtes addict au sport, c'est problématique. Ça veut dire que vous en faites trop. D'accord? Que c'est plus régulier, c'est plus équilibré ce que vous faites. Ça devient dangereux. Vous risquez de vous blesser, vous risquez, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas bien et vous avez l'impression de ne pas pouvoir ne pas le faire, etc. Là, à partir du moment où on est dans la souffrance, dans la perte de contrôle, etc., alors ce n'est pas bon. Ça devient problématique. D'accord? C'est ça qui est problématique. Ce n'est pas forcément le sport en lui-même. Il est bon s'il est bien fait et à juste mesure. Et il peut être mauvais, comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, s'il est fait de manière extrême et excessive. Voilà. Alors. Vous avez pensé à tout, mashallah, Ali. Non, non, je n'ai pas pensé à tout, Ibrahim, mais bon, c'est un domaine qu'on connaît maintenant avec l'habitude et l'expérience d'accompagner des gens dans ce domaine-là. Salam alaikum, alaikum salam, Kandé. Est-il orgueil, je n'ai pas compris, de sortir d'une addiction et dire que nous sommes sortis seuls? Ou est-ce que c'est orgueilleux de dire qu'on est sorti seul d'une addiction, ou plutôt dire que nous avons réussi à nous en sortir seul avec la permission d'Allah? Ah, c'est différent. On ne sort pas seul d'une addiction. Et même religieusement parlant, on ne fait rien seul, en fait. Tout ce que nous faisons, on le fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous l'avons par la permission et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne réalise pas les choses par nous-mêmes, par notre capacité. On réalise les choses parce qu'Allah nous donne soit les moyens, ou soit il nous facilite les choses, ou nous donne la chose directement. Et donc, penser qu'on est suffisamment fort pour gérer les trucs, ou contrôler, ou maîtriser, ou faire, ou réussir, sans l'aspect Allah subhanahu wa ta'ala, ou sans l'entraide fraternelle, etc., ou d'autres gens, peut alimenter négativement l'orgueil. Mais c'est aussi important de renforcer la confiance sur le fait de faire prendre aux gens qu'ils sont en capacité d'y arriver, inshallah ta'ala, en faisant les causes, en se reposant sur Dieu, mais en faisant aussi beaucoup de causes, et ça va ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif, inshallah ta'ala. Salam alaykoum salam Irshad. D'après certains savants, je crois que l'hypnose n'est pas autorisée. Alors, vous croyez ou vous êtes sûr? Il faut être sûr. Hein. Donc, oui, il y a des savants qui disent ça. Mais souvent, c'est parce qu'on leur explique l'hypnose, soit une hypnose bizarre, un peu de spectacle, ou soit on leur vend l'hypnose comme la perte de contrôle de la personne et donc la manipulation de l'autre, ce qui n'est pas l'hypnose thérapeutique, encore une fois. Donc, si on vous dit que l'hypnose, c'est des djinns qui travaillent, forcément, le savant, lui, il prend l'information que vous lui amenez, il va vous dire, bah, c'est pas permis. Mais si vous lui expliquez que l'hypnose, c'est juste un processus, c'est juste un outil thérapeutique
dont la personne ne perd pas conscience, elle est consciente de ce qui se passe et des suggestions pour l'aider à atteindre un objectif sain, et il va vous dire que c'est, y a pas de mal à ça en fait. Je voudrais savoir si les éjaculations nuptiales sont normales et si elles viennent notamment quand on cherche à s'abstenir. Oui, c'est normal. Tout le monde en a, surtout à l'adolescence en général, à la puberté, un peu après la puberté. Ça peut arriver aussi à l'âge adulte, quand on a des désirs et qu'on ne peut pas les assouvir ou qu'on n'a pas pu les assouvir. Même les rêves érotiques, c'est quelque chose aussi de normal. Mais en ce qui concerne les éjaculations pardon, nuptiales, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Même religieusement, hein, il y a des hadiths dessus où le prophète assassin en a parlé. Et les savants ont décortiqué tout ça en expliquant ce qu'il fallait faire quand ça arrivait, de refaire son ghusl, etc. Et même pendant Ramadan, si vous, une nuit de Ramadan, vous avez une éjaculation nuptiale et que vous levez, ben, ça vous rompt pas votre jeûne. Hein. Vous faites votre ghusl et vous continuez votre jeûne. Si c'était dans la nuit. Hein. Quel effet peut avoir la pornographie chez le mari sur le couple? Bah plusieurs, ça peut détourner le couple dans les relations intimes, ça peut ne plus lui donner envie d'avoir de relations intimes charnelles avec la personne, parce qu'il va être dans le fantasme ou juste dans la masturbation, ce qui va créer juste, ça va juste être le moyen d'avoir son plaisir, et donc l'autre moyen d'avoir son plaisir, comme le fait d'avoir un rapport avec l'époux, avec l'épouse, peut être trop contraignant. Ça peut aussi pousser la personne à vouloir faire des choses dans son intimité avec son époux, avec son épouse, que l'autre ne désire pas, que l'autre ne veut pas voir, des choses parfois même qui sont interdites religieusement. Donc voilà globalement les effets. Qu'Allah te récompense pour ton travail. Amin, Amin, Walid, Barakallahu fik, et pour le temps précieux que tu donnes à ta communauté. Amin, qu'Allah il agrée, Inch'Allah. Un jour, je suis allé courir une demi-heure pour ne pas commettre de péché sexuel et ça allait beaucoup mieux ensuite. Mashallah, Moussa, bah, vous voyez, vous avez trouvé une solution qui peut vous aider. Comment savoir si nous sommes guéris d'une addiction par rapport à il y a 2-3 ans, ma situation a bien évolué, alhamdoulilah, mais je ne sais pas si je suis complètement guéri. Bah, il faut voir par rapport aux différents critères de l'addiction, il faut le voir avec le thérapeute. Par rapport aux différents critères que vous aviez aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, quels sont les critères que vous avez aujourd'hui et que vous n'avez plus, de manière à voir si vous rentrez toujours dans le cadre d'une personne addict ou non. Et vous pouvez ne plus être addict, même en continuant un comportement problématique de temps en temps, comme vous pouvez continuer à être addict, mais l'être moins qu'avant et donc d'évoluer, de progresser. Il faut continuer, Inch'Allah. Ma question concerne l'éducation des enfants pour un équilibre concernant l'écran et ainsi éviter l'addiction de l'écran pour mes enfants. Alors, pour éviter l'addiction à l'écran pour les enfants, c'est déjà dans l'idéal pas avoir d'écran. Si ce n'est pas possible de réduire drastiquement le visionnage, les temps d'écran, de les réduire considérablement, de donner un peu de temps, mais il ne faut pas que ça soit trop. Les occuper à autre chose, c'est pas juste, il n'y a pas d'écran et démerdez-vous. Non, c'est à vous de leur trouver des activités, de leur faire vivre des expériences qui pourraient leur faire vivre les choses autrement et les faire s'amuser autrement. Et éviter les écrans chez les tout petits, bien évidemment. Est-ce que le waswas est une addiction? Non. Super intéressant ce live. Barakallahu fik, Gina. Est-ce que l'addiction est due à une souffrance subie dans son enfance, par exemple avoir un père tyrannique? Alors, l'addiction n'est pas due à une souffrance de l'enfance, mais il y a des choses. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'une personne est addicte. On a ce qu'on appelle d'abord des vulnérabilités biologiques. On n'est pas tous égaux face à l'addiction. Vous avez des personnes qui vont consommer un produit et c'est pas un problème pour eux. D'autres qui vont consommer le même produit une fois, ils vont être addicts. Donc, on n'est pas tous égaux face à la vulnérabilité. Donc, ça, c'est au niveau biologique. Et puis, il y a l'autre facteur majeur. C'est comment on a grandi, l'enfance qu'on a eue, l'éducation qu'on a eue, les comportements qu'on a eus, etc. Ils vont pas, c'est pas ça va créer des addictions, mais ça peut mettre en place des choses qui vont être compliquées à gérer pour une personne qui est vulnérable et qui va faire qu'elle soit plus addicte qu'une autre. Merci, qu'Allah vous récompense pour votre travail. Amin, barakallahu fik. Le MDR peut-il aider à arrêter la cigarette? Allahu alam. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, peut-être. Mais le MDR, à la base, il est plus fait pour gérer les traumatismes et détecter les traumatismes. Après, peut-être que, je ne sais pas, où est-ce que ça en est à ce niveau-là, s'il y a eu des recherches sur le MDR et l'arrêt de la cigarette, je ne suis pas au courant.
Ok, on a dépassé l'heure. J'avais prévu une petite heure. La bonne addiction, ça existe. Non, ça j'ai déjà répondu. Allah vous récompense, mon frère. Amin, amin. Barakallahu fekoum. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Je ne pourrais pas rester plus longtemps. Je vais répondre à une dernière question éventuellement. D'après votre expérience, il faut combien de temps pour arrêter une addiction? Ça dépend du sommeil. Hein. Ça dépend de la personne. Ça dépend de l'addiction, si c'est une addiction à un produit ou un comportement. Ça dépend de plein de facteurs. D'accord? Vous avez des personnes qui peuvent se libérer d'une addiction en quelques mois, mais d'autres, il faut quelques années. Mais en moyenne, en général, la plupart des grosses addictions, des addictions importantes, ils font entre 6 mois et 1 an, voire plus. D'accord? Donc il faut plus voir sur du moyen ou du long terme. Quand ça se termine très vite, c'est assez rare en général, et en plus on peut pas le savoir parce qu'il faut un temps d'abstinence pour voir si on s'en est vraiment libéré. Donc c'est du travail sur du long terme, sur du moyen et du long terme, Inch'Allah. Donc il faut pas baisser les bras et se battre jusqu'au bout, Inch'Allah. Et tant qu'on est dans le combat, même si on gagne pas toutes les batailles, c'est pas grave, on est dans la résistance, et en soi, le fait de se battre, c'est ça qui va justement donner de la valeur à ce qu'on est, à qui on est. Et en soi, juste ça permet d'avoir des récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah vous préserve tous, qui nous facilite à tous. Vous êtes incroyable, je ne vous connais pas, mais vous aime en Allah. Barakallahu fik, Shomi. Qu'Allah vous aime en ce que vous m'aimez, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je suis disposé à vous offrir la formation pour vous aider. Masha'Allah. Masha'Allah. Laïbalek Askared, pardon. Laïbalek. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. À quand votre prochain live? Allahu alam, Sam du 92. Allahu alam. C'est là, je vais être à fond dans la formation justement. Je vais être aussi à fond sur ma thèse. Donc là, après c'est des envies. Hein. Des fois, je trouve le temps et j'ai envie, et je le fais. Mais sinon, globalement, c'est très très compliqué de libérer du temps. Barakallahu fik pour vos interventions sur les réseaux. Amin. Wafiki Amin. Merci beaucoup, bonne soirée, vous êtes inspirant, mashallah. Taïeb. Askoret, si vous voulez financer, là, vous me contactez par mail, inshallah, et pareil pour Ilyes, et on essaiera de voir ça, inshallah, pour voir comment on fait. Barakallahu fikoum à tous, qu'Allah vous préserve vraiment tous, Inch'Allah, et qu'il vous aide et qu'il aide toutes les personnes qui sont en difficulté sur les dépendances ou les addictions. Et voilà, donc on continue. Vous avez donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez revoir le live, Inch'Allah, et vous avez dans la description le lien sur la formation. Et toutes les infos nécessaires. La formation préenregistrée ou en direct, j'ai peut-être pas suivi. Non, la formation n'a pas encore commencé. Progressivement, les gens recevront du contenu à partir de mercredi prochain, Inch'Allah. Ils recevront du contenu pendant 4 mois et ils auront accès toute leur vie, Inch'Allah. Voilà, je vais y aller, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Passez une belle soirée, Inch'Allah. Prenez soin de vous et des vôtres. Ne désespérez pas. Ayez vraiment espoir, un, en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est capable de toutes choses et tout est facile pour lui. Et deux, aussi parce que vous le méritez. D'accord? N'oubliez pas que en tant qu'humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. D'accord? Même si on est défaillant, même si on est vulnérable, même si des fois on déconne, même si parfois on n'est pas très fier de ce qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Et ce qui fait qu'on soit honorable, c'est justement notre capacité à résister, à nous battre pour essayer de faire au mieux, même quand on n'y arrive pas tout le temps. Donc, barakallahu fikoum et à bientôt, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.